Un mot, s'il vous plaît, sur Ségolène Royal, qui est notre invitée aujourd'hui. On sent que vous êtes très amie, très proche. Très amie, ce serait mentir, et très proche. Je ne veux pas usurper cette amitié. J'ai beaucoup d'attachement pour elle. C'est une femme que j'estime beaucoup, pour laquelle j'ai beaucoup d'affection. J'ai eu la chance de la rencontrer grâce à Dominique Besnéard. Je suis absolument pas manichéenne en politique. J'ai eu une éducation très stricte. J'ai un sens de l'éthique. Et cette femme me convient. On a le sentiment que cette campagne a été très dure, qu'on a été très dur avec elle. Est-ce que c'est parce que c'était une femme ? Il y a certainement de cela, même si c'est inconscient. Il y a certainement aussi de cela parce qu'elle est belle. Qu'est-ce qui vous touche le plus chez elle ? L'intégrité. Et puis, on emploie beaucoup le mot croyance en ce moment. Et moi, j'emploie le mot ferveur. Croyance, c'est terre à terre. On croit comme le charbonnier. Mais la ferveur, c'est quelque chose qui s'élève vers le haut. J'ai beaucoup aimé cette phrase d'André Malraux lors d'un entretien. À un moment donné, il y a eu une pause pendant cet entretien. Et il avait répondu avec énormément de courtoisie et de patience aux questions de son intervieweur. Et il a profité de la pause pour se pencher vers lui et lui dire « Monsieur, s'il vous plaît, montons d'un cran. Avec Ségolène, je monte d'un cran. » Merci infiniment. Merci beaucoup, Jeanne Moreau.